Bon voilà, 5 heures du mat. Moi j'aime bien venir quand la marée est encore basse, comme ça je regarde le fond. J'étudie le fond, mais là, il n'y a pas photo, j'aurais un souvenir. Il n'y a que du sable. Non, là il y a une chasse, on dirait. Je vais mettre un coup, c'est jamais. Hein. Bon. Il semblait voir une chasse ici au bord, hein, pas loin. C'est jamais. Hein. Qui est le monstre du Loch Ness. Ça chasse un peu partout. C'est des petits. Je parle doucement, on sait jamais qui m'entendent. Là, juste dehors, là. Voilà. Il n'y a pas de fond, il n'y a rien. En fait, pas d'eau. Là, là, ça chasse, là. Là, ça chasse, là. Bon, voilà, je suis en place. J'ai mis une ligne de fond avec une crevette au cas où il y a un sar ou quelque chose comme ça qui passe dans le coin. Là, j'ai mis un leurre un peu lourd parce qu'il y a du vent et un peu de courant. Imitation lançon blanc, je crois, enfin, qui marche bien. Bon, il y a un peu de vent. Oh là là, l'écume, super. Vache. Allez, on va lancer dans l'écume, tiens. Toujours mon petit teaser à glou blanc. On va laisser racler le fond un peu. Bon, il nage toujours aussi bien celui-là. Bon là la marée est... l'étale de haute mer dans 2 heures, donc j'ai le temps, hein. Mais je sens que le courant commence à changer un peu là. Voilà, je vais essayer de pêcher le long des rochers là. En général les poiscas ils aiment bien les rochers. Bon, mon fin, qu'est-ce que c'est? C'est un gros rocher là, cet endroit là. Oui, il y a un gros rocher, et voilà. Merde. Accroché. Aïe, 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 aïe. Bambino. Ouais, c'est bon. Là, je crois que j'ai eu une douche. Hein. Ah. Non, je sais pas. Ah. C'est lourd. Bizarre, non, non, il n'y a rien. J'ai cru, patate crue. Là, là, le sable qui freine mon moulinet, c'est pas terrible. Ben, je sais pas si elle n'a pas été tirée la crevette là. Le soleil vient de se lever, c'est l'heure du petit déjeuner. La 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 la, c'est parti! Allez, pan dans l'écume. Là, ce coup-là, j'ai même pas fait exprès. Bon, pour l'instant, c'est calme. Hein. Voilà, alors on attend. Parce que la pêche, c'est la patience. La 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 la. Allez Black Minnow, fais ton boulot. C'est calme, on va essayer de lancer loin. Hop. Ça c'est pour m'entraîner. Ah, ça y est, là le premier. Ah bah allez donc. Microscopique encore. La la. T'as pas un grand-père ou une grand-mère, toi Allez, va chercher ta mamie. Petite louvine, un petit bar moucheté. Bon, ben c'est bon, ça arrive. Je les vois chasser, hein, en face, là. Ça arrive. Allez.
J'ai même pas senti la touche tellement il est petit. Il était petit. Alors comme hier soir, une heure avant l'étale de pleine mer, commence à mordre. C'est marrant, hein. L'impression que c'est plus lourd, hein. C'est un petit encore, non. Non, je sens que ça vibre. Oh, là ça a tapé, oui. J'ai bien senti, mais... Elle n'est pas pris. Ils sont juste au bord, hein. Les tout petits. Allez. Ça marche bien, un petit heure. Hein. C'est normal, hein. Petit tapas, petit poisson, quoi. C'est la règle en général, ça manque pas. Je l'ai mis un parce que on m'a dit que des fois, enfin on m'a dit, j'ai vu sur quelques vidéos, des fois il y a des gros prenaient le teaser aussi. C'est la concurrence avec le leurre qui est derrière, puisque ça imite une chasse. Hein. Le gros il va être le premier, du coup il essaie de griller la priorité. Ah ben il est magnifique en plus. Oui. Belle bête. Vous le relâchez ou vous les mangez? Oui, non, ça se mange pas. Ça. C'est la nouveauté, ouais. Le roi du harponneur. Il y a des petits, là, regarde. Il y a une belle bête, hein. Il a piqué le cul, là. Hein. Et hop. Vous le mettez à l'eau? Oui. Il dit que les mulets, c'est pas...